Et yo tout le monde, c'est Valkyr et Winuski. Et coucou là. Alors, on se retrouve pour un nouveau gameplay. Donc, comme on vous l'avait annoncé dans une des dernières vidéos, on a dit qu'on allait amener un petit peu de sniper sur la chaîne. Parce que pour l'instant, il n'y avait pas eu énormément de sniper. Donc, vous voulez du sniper, ben, en voilà. Donc, j'explique un petit peu ma classe. Donc, je joue avec l'S50. Donc j'ai mis, ce que j'ai mis dessus, c'est que j'ai mis accessoire avec chargeur grande cap. Donc c'est vachement conseillé, chargeur grande cap, parce qu'il n'y a pas énormément de munitions. Et comme on peut tirer assez rapidement avec, ben, ça part assez vite. Et en deuxième accessoire, ce que j'ai mis, c'est le zoom ajustable. Pourquoi? Parce que le zoom du début, enfin le zoom à l'origine de l'arme, franchement, j'adhère pas tellement. Je trouve que c'est original d'avoir fait un snipe avec un zoom différent, mais j'adhère pas tant que ça. Donc ce que je fais, c'est souvent, dès que je spawn, je vise et en fait je règle le zoom ajustable sur le deuxième cran. Donc ça fait que c'est le zoom, je crois que ça revient à peu près au même zoom que les snipers normaux. Donc j'utilise les S50 avec ça, en atout. J'ai quoi? J'ai passe-passe, bonne gâchette et tireur d'élite je pense. Et après en spécialiste, donc j'ai détermination, puis assassin et pillard à 5. Comme ça, ça me permet de récupérer les munitions car en général à 5... Il ne reste pas tant de munitions que ça. Et donc je joue en spécialiste. Alors c'est une tentative moab. On sait pas, on vous dit pas si on va la réussir ou pas. Hein. Franchement, c'est assez compliqué quand même. Déjà, vous avez vu que je suis passé en spécialiste et je me suis fait tuer. Et donc cette vidéo, c'est un petit peu pour vous parler de l'S50. Mais aussi pour vous parler un petit peu d'un sujet qui est le sniper sur PC. Si c'est avantagé, si c'est compliqué et tout ça. Donc vas-y, Winesti, parle-nous-en un petit peu. Alors tout d'abord, ben les joueurs console le savent peut-être pas, ou alors ça leur paraît évident, mais sur PC il n'y a pas du tout d'aide à la visée. Donc quand vous visez un ennemi, vous n'avez pas de... votre sensibilité ne diminue pas lorsque vous passez sur votre viseur sur l'adversaire, ce qui fait que vous êtes vraiment obligé de tirer exactement si vous voulez. Souvent les joueurs ont tendance à viser et à brusquement faire un drag scope quoi. En fait on vise et un coup de sensibilité, et en gros sur console quand on s'approche, la sensibilité diminue un petit peu, donc ça fait que, enfin c'est comme si le viseur il approchait un petit peu, ça fait que les drag scope c'est beaucoup plus simple, alors que sur PC faut vraiment s'arrêter pile au moment et avoir le timing parfait quoi. Voilà, c'est ce qui fait que c'est un petit peu plus compliqué, mais en même temps sur PC vous allez me dire on est un petit peu avantagé, c'est quand même plus facile de viser qu'avec un joystick, donc voilà, ça se discute quoi. C'est pas plus mal que sur console il y ait une aide à la visée, nous on n'est pas contre ça. Bon aussi, enfin donc c'est, on vous voulez vous parler de ça un petit peu pour avoir vos avis, donc dites nous un peu dans les commentaires ce que vous en pensez, si sur PC, enfin les joueurs PC, si vous trouvez que c'est assez compliqué de faire du snipe sur PC, et les joueurs console si vous trouvez que ça va, c'est bien le snipe sur console, ou si c'est quand même vachement compliqué avec les joysticks et tout. Donc moi j'ai donné mon avis vite fait, enfin j'ai à peu près le même que Winusti, c'est que sur PC, pour jouer au snipe, il faut vraiment être très précis quoi. Et voilà, les drag scopes, c'est un petit peu une technique souvent utilisée sur console. Mais sur PC c'est très peu, enfin c'est difficilement réalisable, il faut vraiment avoir de gros timing. Donc moi vous voyez là que dans le gameplay, la plupart des kills que je vais faire, c'est principalement du hardscope. Parce que parfois je vais faire quelques quick scope, mais quand l'ennemi est loin, je préfère m'assurer et ne pas rater ma balle, plutôt que rater une balle et risquer de me faire tuer juste pour pouvoir avoir le style de faire un quick scope ou quelque chose comme ça quoi. Donc la plupart du temps je vais essayer d'assurer pour maximiser mes chances de tuer l'ennemi et voilà. On peut voir que tu jouais beaucoup en cherchant le combat à longue distance, parce qu'avec un sniper c'est pas évident de gérer le corps à corps, même si t'as beau être bon en quickscope, on n'est jamais sûr à 100% de pouvoir le rentrer du premier coup. Donc c'est pour ça qu'il aurait peut-être été préférable de jouer avec le couteau de lancer, là t'avais le C4, mais bon tu t'en es quand même pas mal sorti donc... Voilà, donc en gros la technique pour mission un petit peu, ce qu'il faut faire c'est à peu près ce que je fais là. Donc au niveau de la petite corniche un peu ici, vous avez un visu au niveau de la voiture, donc les ennemis quand ils arrivent soit par le côté soit par le fond, et donc là vous pouvez les tuer assez facilement. Et sinon ça va être vers un endroit où je vais aller un petit peu plus bas, c'est derrière la voiture. Donc en gros les ennemis vont arriver des deux côtés au niveau de la voiture,
Et ça va faire que vous aurez du combat à longue distance. Par contre, faut vraiment pas rater ces quickscopes, hein, ou ces hardscopes. Mais vous aurez du combat à longue distance et eux, ils ont du mal à vous viser. Voilà, on peut voir que depuis ce spot-là, tu peux faire un sacré carnage et ça t'aide bien. Et puis après, il suffit qu'il y ait quelques alliés qui aillent ramasser les médailles. Et ça passe bien. Quoi. Là, j'ai essayé de ramasser quelques médailles quand même, mais quand je voyais que je commençais à être en série, je les ai pas trop ramassées parce que j'avais envie que la partie dure pour que justement je puisse essayer de réaliser ma moab, quelque chose d'autre. Donc là, vous direz peut-être, je campe, disons que je reste un petit peu ici, ben, disons que si je vais en bas, vous voyez qu'il n'y a que du combat à super courte portée, en face ils jouaient tous avec des mitraillettes ou des fusils d'assaut, donc c'est vachement compliqué de rivaliser face à des mitraillettes ou des fusils d'assaut. Donc là, vous voyez, je réalise mon défi et je débloque la moab. Donc franchement, je vous dis, j'étais super content parce que, enfin, moi j'en ai fait quelques-unes quand même, des moabs, et là, je tremblais tout, je stressais comme un fou, et c'est super rare parce que normalement, je stresse pas autant, quoi. Vous voyez, le deuxième spot, c'est ici, donc on peut viser des deux côtés, voilà. Ouais. Comme je vous disais, je stressais vraiment à mort, je sais pas qu'est-ce qui m'arrivait, mais comme j'ai réussi, après, j'étais content, quoi. Ouais, il y en a aussi sur cette map, plutôt que de se mettre sur le spot, sur l'espèce de but en terre, ils se mettent plutôt au niveau de la voiture qu'on peut voir, là, qu'on pouvait voir. Et ouais, ils gèrent un peu ce côté-ci qu'on peut voir sur cette magnifique Kilkamo Akimbo, et qui vise un peu de tous les côtés, mais ça demande un autre niveau quand même. Donc on arrive à la fin de ce gameplay, je termine sur un petit 43-6. Aussi à noter que j'étais tout seul dans l'équipe, donc j'avais aucun soutien niveau drone, veste ou positionnement ennemi. Donc c'est quand même une assez bonne performance. Voilà, moi j'ai rien à rajouter. Donc... Bah, à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde. Salut.